Alors, vous êtes sur un concept qui s'appelle Habiter autrement ADMR. Donc, c'est un concept qui a été développé à partir de 2014. Donc, vous avez effectivement des maisons, donc des logements individuels et une salle intergénérationnelle où les habitants se retrouvent pour participer à des animations. On est dans la mise en place d'un projet de vie sociale. Et c'est une vie de quartier qui s'est développée. En fait, aujourd'hui, l'habitat regroupé tel qu'il existe hein, sur la commune de Vouillé, c'est un intermédiaire entre le domicile et la résidence autonomie. Alors en fait, le projet est né de la décision de déconstruire le foyer pour personnes âgées que nous avions sur ce site, pour le reconstruire sous une forme d'EHPAD dans le parc de la Gorande. Et rapidement, avec l'ensemble des partenaires, donc la commune et la communauté de communes, on a décidé sur ce site de créer un village senior, puisqu'il est extrêmement bien placé par rapport aux commodités de la ville. Et donc on a travaillé tous ensemble pour construire ce projet, donc avec les 13 logements de la communauté de communes, et puis donc les 12 logements que nous avons réalisés sur ce site, dont 8 sont entièrement dédiés aux personnes âgées, sont labellisés Habitat Senior Service, notre démarche d'accompagnement de nos locataires âgés, et peuvent bénéficier donc à ce titre-là de l'ensemble des services d'Habitat de la Vienne et du dispositif Habiter Autrement porté par l'ADMR. Le fait de pouvoir être là tous les jours, du lundi au vendredi, on peut vraiment se rendre compte des bienfaits de l'habitat inclusif. Effectivement, on peut voir des habitants qui ont rencontré l'amour, d'autres qui se sont liés vraiment d'amitié avec d'autres personnes, aussi bien dans le voisinage que des personnes de l'extérieur. Le week-end, elles se voient, elles peuvent partir ensemble. On joue, on s'amuse en même temps, on rit, des fois on écoute de la musique, des fois on va se balader, on fait de la cuisine ensemble, on mange ensemble également. Il y a plein de choses en fait, hein, c'est super. Oui, ça m'arrive de participer à des ateliers. Bon, on fait du Rubik's Cube, etc. Bon, certains jeux, on discute ensemble et les filles sont très très agréables. Et puis c'est rassurant dans le sens où on sait que si on a des difficultés ou un problème, on ne peut pas sortir ou quoi, il y a toujours quelqu'un pour aider, pour aller au supermarché ou des choses comme ça. Voilà. En plus, j'ai retrouvé l'amour, je ne m'y attendais pas du tout, voilà, avec ma voisine, donc on ne pouvait pas trouver plus près. Ouais. Ce qu'on observe aujourd'hui avec à peu près 2 ans de recul, c'est que les personnes sont contentes de vivre dans cet environnement. Les familles nous remontent aussi qu'elles sont très heureuses d'avoir leurs parents qui sont entourés quotidiennement par une équipe qui les accompagne, qui propose des services et qui crée de l'animation.